Salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Donc aujourd'hui, nouvel endroit. Bon, je devais le faire de journée parce que je voulais connaître un petit peu l'endroit de jour, hein, pour voir les bâches, comment la mer remonte, tout ça. Mais bon, je me suis dit, allez zut, je vais y aller, on verra bien ce que ça donne. Et puis bon, on essaiera de rester très très prudent. Donc là, je suis arrivé sur la plage du Mont Saint-Frieux. Donc c'est la première fois que je viens ici, là où il y a le parc à moules. Donc ouais, c'est la toute première fois que je vais pêcher ici. Là, je me suis placé dans un endroit où c'est assez écarté entre les piquets de moules. Pour l'instant, je suis là au verre congelé. Je vais essayer de faire un petit peu de verre frais tout à l'heure. Et puis je vais essayer de pêcher aussi avec un petit peu de calamar flottant cette fois-ci. Des petits morceaux de calamar flottant. Bref, je vais voir comment ça se déroule pour cette pêche. Alors aujourd'hui, c'est un coefficient 82. Marée basse est prévue pour 21h30. Donc je suis là, il est. Ouais, voilà. Ça fait un petit quart d'heure que je viens d'arriver. Donc je suis arrivé une heure avant la baissance, voire une heure et demie avant la baissance. Et je ferai à peu près une heure et demie, voire deux heures à la remontée. Il n'y a pas trop de vent, enfin il n'y a même pas du tout de vent. La mer, comme vous pouvez le voir, elle est très très calme. On est sur des vents d'est, vent de terre, donc des vents qui viennent du dos. Il ne fait pas très chaud. On est quand même quasiment fin avril, mais on a quand même des températures assez basses. On est sur du 8 degrés en ce moment, en pleine journée, voire 10. Et la nuit, on passe sur du 6. Voire 5. Donc bon, pas tant ouf ouf pour pêcher le bar, mais bon, comme je dis, sans malentendu, on ne sait jamais. Là, les montages, comme d'habitude, ça ne change pas, donc deux cannes, les montages
deux montages traînards, enfin avec deux hameçons à chaque fois, avec des longs traînards d'un mètre, avec des hameçons de 1-0. Si je vois que je suis trop envahi par les flés ou autre chose quoi, je passerai sur des hameçons beaucoup plus gros. Je passerai carrément sur du 3 voire du 4-0 pour vraiment cibler un petit bar qui pourrait passer. Bon. Ben on va ranger les affaires parce que comme vous pouvez le voir, il se met à pleuvoir. Allez, attention, on se dépêche. Bon, première remontée, hein. Déjà du poisson, donc un flé, deux merlans, sans chaque canne en plus, donc top. Bon après le merlan, on est quand même fin avril, on touche encore du merlan, même sur les plages. C'est terrible ce merlan, cette année ça a été l'horreur, il nous a pas lâché et il continue à nous embêter. Pour ça ce soir, dès qu'il va tomber dans à peu près une demi-heure là. J'espère que je vais pas faire trop de merlan, que je vais pouvoir réussir à pêcher un peu au bar. Mais bon, s'il y a du merlan, c'est pas bon. On va pas désespérer, comme je dis toujours, soit malencontreux. Il pleut énormément. Bon là, il y a une petite accalmie là, vite fait là. Mais sinon, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me faire saucer. C'est l'horreur. Donc pour l'instant, les poissons ont été pris sur du verre congelé. Là, je vais essayer de mettre des morceaux de calamar après. On va dire... d'essayer de vraiment assister pour essayer de pêcher du bar. Et je mettrai peut-être aussi, je mettrai des vers frais que je viens de faire. Donc en espérant que ça va déclencher des poissons recherchés. Allez, poursuivons. Elle est basse, il est bien 9h30, le noir est en train de tomber en plus, toujours du merlan, hein. Là je suis déjà facilement, sans compter ceux que j'ai pas mis sur la vidéo, j'ai déjà une bonne dizaine voire une quinzaine de merlans inflés. Là je viens de lancer avec des verres frais, comme là je suis vraiment dans le moment où elle va commencer à remonter là. Avec des verres frais, on va voir ce qui se passe. Après, s'il faut, je vais peut-être changer de montage. Enfin, du moins, je vais garder toujours mes deux traîneurs, mais je vais passer sur des hameçons beaucoup plus gros, je pense. Je vais peut-être passer vraiment sur du 3-0, comme je l'avais dit en début de vidéo, si j'ai trop de flés ou de petits poissons. Mais et je passerai aussi sur le l'encorné, le petit morceau d'encorné. Mais ça va être compliqué, je pense que là ça va être une soirée encore à merlan, je pense. Alors on verra bien dans sa phase remontante quand la mer sera carrément dans les piquets à moules. On ne sait jamais. On verra bien. Thank you.
Voilà, la nuit est tombée. Il fait de plus en plus froid. D'ailleurs, j'ai même mis la capuche parce que il fait froid. Bon, il pleut pas. C'est déjà un bon point. Mais pour un fin avril, là, j'ai quoi, 5 degrés. J'ai regardé la météo vite fait. Là, j'ai 5 degrés à peine. Là. Je crois que ce soir, le bar, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Bon, j'ai quand même mis un morceau de calamar. À voir. Ouais, je vais avoir une belle couche encore à Merlan, parce que là c'est du Merlan sur Merlan, je n'arrête pas. C'est un truc de fou. Je remonte deux par deux, de toute façon vous l'avez vu sur la vidéo. Bon, alors sur votre canne là, j'ai, comme je disais, j'ai mis un morceau d'encorné, un gros morceau d'encorné, et un morceau de calamar que j'ai bien ficelé. Et bon, on verra bien, mais j'ai peu espoir. Je vais encore attendre une heure, si je vois que je suis encore trop de Merlan. Je vais laisser tomber. On verra ça lors de jours meilleurs. Et voilà les amis, encore une pêche qui se termine, on finit sur ces merlans. Et oui, ces merlans qui sont toujours là, on est quasiment fin avril et les merlans sont toujours présents sur nos côtes, du moins le soir. Donc, ouais, très compliqué, on a, ces poissons ont été très très voraces. Quand vous voyez que j'ai mis des morceaux de calamar gros comme ça, sur des hameçons de 3-0. Ils ont réussi à venir me les chercher. D'ailleurs, vous l'avez vu. C'est pour ça. Là, ça a été le coup de crasse. Là, j'ai dit, bon, elle est terminée. On fait le dernier lancer et on remballe. En plus, de toute façon, il fait pas très chaud. Le vent commence à monter un petit peu. Il fait 6 degrés. Pour vous dire, il s'est remis à pleuvoir un petit peu. Donc, plutôt que de gaspiller mis à pas sur des merlans, je préfère voir ça autrement. En plus, pour le bar, je crois que c'était vraiment pas le moment. Donc bon, comme je dis, hein, qui ne tente rien à rien. Bref, mais voilà, pour revenir sur ce nouveau spot que j'ai découvert aujourd'hui, c'est un très très bon spot. La preuve, il y a du poisson, il y a de quoi faire. Il y a des trucs très intéressants à refaire ici, hein. Je vois qu'il y a pas mal de bâches, tout ça, ça peut être très très intéressant pour pêcher le bar quand le bar sera vraiment bien présent, parce qu'il y en a, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore la folie, hein. Mais non, je pense que c'est un spot où je vais revenir assez souvent, et je pense que ça promet de bonnes choses pour mes pêches futures. Donc découverte assez concluante, il y a eu du poisson de sortie, certes pas le poisson cherché. Mais voilà, je me suis quand même bien amusé malgré tout. Donc voilà, bon, on va se rentrer à la maison. Maintenant, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche, où vous serez le bienvenu. N'hésitez pas à venir vous abonner, à venir publier vos photos, vos récits de pêche, vos vidéos, bref, que ce soit en eau douce, en eau de mer, vous serez le bienvenu. Aussi, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page TikTok, donc Pêche Dada 62, où vous verrez l'intégralité de toutes mes sorties de pêche. Là, en ce moment, je fais beaucoup de pêche au couf, au gardon et à la carpe. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Vous allez voir mes délires, mes conneries, mes petites pêches. Voilà, bref, mes petits trucs où,
assez sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, à venir vous abonner. Pareil, je vous recevrai avec le plus grand plaisir. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, malgré tout, même s'il n'y a pas eu de barre, cette vidéo vous aura quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit commentaire sympathique. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, bien sûr.